des manières de réaliser notre mission de protection du public, c'est d'assumer un rôle sociétal fort. On vient sensibiliser les acteurs de l'écosystème sur les enjeux RH, afin d'influencer constructivement les pratiques organisationnelles et les politiques publiques en matière notamment de travail et d'emploi. Par nos actions, ce qu'on vise, c'est de bâtir un monde du travail qui est résolument plus humain, prospère et sain. Donc, comment l'OR assume cette présence-là sur la place publique au sein de la société? Je dirais qu'il y a deux volets principaux. Donc, présence fréquente, régulière dans les médias à travers le Québec sur des sujets d'actualité. Et deuxièmement, présence, intervention régulière auprès des gouvernements sur des questions qui nous préoccupent et sur des questions pour lesquelles on souhaite contribuer à la réflexion et au développement des politiques publiques. Je dirais que l'Ordre est reconnu comme un acteur qui a une vision globale des choses et qui a aussi des positions qui sont nuancées sur les enjeux, positions qui permettent souvent de faire des ponts entre des positions, des opinions qui peuvent être opposées, à titre d'exemple, des positions plutôt patronales et d'autres qui sont plutôt syndicales. Notre position s'appuie bien évidemment sur l'expertise de la profession et nos interventions sont faites avec un objectif qui est de contribuer à la protection du public. Au fil des années, l'Ordre a contribué à plusieurs avancées législatives intéressantes. Par exemple, en 2023, la loi sur l'encadrement du travail chez les jeunes, eh bien, l'Ordre en était un des initiateurs. Également en 2024, la loi pour lutter contre le harcèlement en milieu de travail, bien, il y a eu maintenant l'obligation du contenu minimal à la politique, ainsi que pour la première fois, l'inclusion de la notion de la formation pour les gens qui traitent ces plaintes-là au sein des organisations. Vous savez, en affaires publiques, c'est du travail de longue haleine, en coulisses, puis des fois, bien, on fait changer des petites choses, mais ces petites choses-là ont un impact très important au niveau sociétal.